mars, nous avons une demande très importante pour les soins critiques pour le patient Covid+, probablement en raison du variant anglais. Donc nous avons été obligés d'ouvrir des lits de réanimation en plus et nous avons mis ces lits dans l'aile de cardiologie. Et on remercie l'équipe de cardiologie de nous permettre d'ouvrir ces lits-là. Donc une partie du service qui jouxte la réanimation médicale s'est transformée en réanimation médicale, ce qui permet d'accroître le nombre de lits disponibles. La partie immédiatement adjacente est un SAS et la post-réanimation ou unité de soins critiques. Donc ce sont des malades un tout petit peu moins graves. Et puis nous gardons dans cette partie du service où nous sommes l'unité de soins intensifs de cardiologie qui permet la continuité de la prise en charge des urgences cardiovasculaires. La transformation du service a été possible grâce à la mobilisation de tous les acteurs, les soignants bien sûr, infirmières, aides-soignantes, étudiants en soins infirmiers qui se sont formés à la prise en charge de ces patients, les services du biomédical, les investissements, la pharmacie et toutes les logistiques qui concourent à la prise en charge de ces patients. Habituellement, je suis en médecine interne, à SSR Neuro aussi, rééducation neurologique, et en gériatrie. On m'a proposé de venir en renfort sur la cardiologie. C'est vrai que c'est la responsabilité de tout soignant. Notre engagement aussi d'aider les patients. Cette organisation est bénéfique pour tout le monde. Elle est rendue nécessaire par l'afflux de patients. Il faut développer des places, il faut développer des nouveaux lits, tout en ne rognant pas sur les urgences vitales des autres spécialités. Et je pense que vous avez là un exemple de ce qui a pu être très rapidement mis en place grâce à une collaboration médicale et paramédicale.